Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le pouvoir de tornade qui est la puissance de la tempête. Alors pour débloquer ce pouvoir, vous allez devoir atteindre le niveau 60 du pass de combat pour débloquer les défis de l'éveil de tornade. Alors dans ces défis, vous allez devoir faire 3 défis que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors bien entendu, pour chacun de ces défis, vous devrez vous équiper du skin Tornade. Alors moi, dans le gameplay, je n'aurai pas le skin Tornade, tout simplement parce que je n'ai pas encore débloqué le skin. Mais je vous fais quand même un tuto pour que vous puissiez vous-même débloquer le pouvoir de Tornade si vous avez déjà atteint le palier 60. Donc c'est parti pour les défis. Alors le premier défi est de visiter la station météo en tant que Tornade. Donc quand vous vous êtes équipé de votre skin Tornade, rendez-vous à la station météo qui se trouve en dessous de Catty Corner. Vous avez juste à vous rendre au même endroit que moi et le défi se débloquera directement parce qu'il faut juste visiter la station. Le deuxième défi est de planer au-dessus des réacteurs de Steamy Stack dans la tempête en tant que Tornade. Alors ce que vous devez faire, c'est vous rendre au-dessus de Steamy Stack dans l'un des deux réacteurs et planer avec le planeur au-dessus du réacteur jusqu'à temps que la tempête arrive. Dès que la tempête arrive, vous restez même pas une seule seconde et logiquement vous débloquerez le défi. Et le troisième et dernier défi est d'utiliser une émote au centre de l'œil de la tempête en tant que tornade. Alors pour réaliser ce défi, vous devrez vous équiper du skin tornade. Alors quand vous avez votre skin, lancez en foire d'empoigne. Parce que je ne sais pas pourquoi en solo, duo et section, ça ne fonctionne pas. Donc lancez une game en foire d'empoigne. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est vous rendre au milieu du cercle de la zone. Donc vous ouvrez votre carte et vous essayez de pinguer le centre de la zone. Ensuite, vous vous rendez en plein milieu de la zone et là, normalement, vous aurez une lueur violette avec un logo et vous devrez aller sur ce logo, puis ensuite faire une émote et là, vous débloquerez le pouvoir de Tornade, qui est l'émote, la puissance de la tempête. Ensuite, vous aurez débloqué cette émote pour toutes les autres games que vous ferez, mais uniquement avec le skin Tornade. Et voilà qui termine le guide complet des défis de l'éveil de Tornade. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.